C'est parti pour À 3. trio SDD hein. Ouais bah du coup le DPS de fin à 3 c'est... Là j'ai pris Titan exprès pour avoir un coup de tonnerre. Les deux autres archers vont être en Nova cataclysmique. Ou Nova Tepan. Un debuff ou... Par contre c'est vrai que j'ai... Je crois que j'ai pas beaucoup d'armure... VSDD. Je crois que je n'ai pas du tout. Enfin, attends, j'en ai peut-être, mais pas équipé quoi. Après, c'est vraiment si dur que ça. C'est juste ça qui peut faire chier. Genre, le DPS il manque toujours un peu. J'ai pris un titan donc. Ouais. Okay. J'avais fait 3 arcas la dernière fois, les deux dernières fois d'ailleurs. Mmh. Et c'est passé, mais c'est vrai que c'était. Taxer une save quand t'arrives au boss, mais carrément. Déjà faut qu'on arrive au boss. T'as dit qu'on y arrive. Ouais, oui. Ah, j'aime bien que mes paramètres marchent aussi, c'est pas mal. Bah, je peux plus régler mes paramètres. Ah non, pas tuer. Bon, alors les paramètres, ça marche ou pas? Ça que je vais faire. Le coffre, ouais, j'ai commencé. Un peu droppé un petit rouge en plus. Voilà, vous avez tout tué, mon chaos. Tu racontes lui. Hein? Tu racontes? Rien. T'as quand même pas de plainte quand tu trouves. Tiens. Eh bien. Je dirais que t'as mis une mauvaise épaule. Oh, y'a pas que ça, hein. Oui. Certes. Ouais. Est-ce que ça marche du coup ce bubble dash? Pas du tout. Je crois que le timing est beaucoup plus serré qu'avec les autres, non? Oui, et puis surtout tu gagnes pas d'altitude. Ah ouais. Tu vas toujours vers le bas, même si tu vas loin, tu vas vers le bas et ça c'est chiant. Puis on va faire 100. Le deuxième effet. On va plutôt prendre le coup de tonnerre du coup. Mais, vas-y, je suis pas un flipper là. En vrai tu te mets tu sais coup de tonnerre avec tu fais la strat d'avoir les 5 charges de lumière là. Attends mais j'ai un F9 là. Un peu. Et tu te mets à cœur de lumière intime et tu balances je sais pas combien de grenades sur le boss là, ça fait des millions de dégâts ouais. Ça. Alors oui mais ça les fait lentement ces dégâts. C'est pour ça que c'est pas utile. Final stand, faut qu'il y ait beaucoup de dégâts d'un coup. C'est pas vraiment. Ah, c'est pour le final stand que ça crise, ok. Ouais. Okay. Je pensais que c'était pour le reste. Non, après le reste. Et on va peut-être avoir un peu de mal sur le boss précédent, mais. C'est normal.
Il est pas compliqué, mais... Oh là, il y a des péteux. Ah, je... Voilà. J'ai vu un énorme dinguerie sur Twitter, genre, et du coup j'ai envie de répondre une énorme dinguerie aussi. Quelqu'un qui a mis un meme en mode... Il y a des gens qui arrêtent pas de tuffer et j'ai trop envie de répondre. Tiens, c'est un autoportrait pour interrogation. Parce que bon, c'est quand même un énorme contre son camp qui vient de tuffer. Oh bon, tu verrais ça tout à l'heure. C'est moi. Et je t'ai vu. Hein. Vous avez déjà fait le troisième truc là pour le. Oui, oui. Okay. Ah mais putain, quand ils sont en fufu, ils sont immunisés. Bande de fils de chien là. C'est comme un yep. Ouais, ramasse mes boules là. Oui, direct. Hein. Je veux nous dire, on a tout ou faire. Mais non, mais. Oh. Je sais pas si tu connais d'ailleurs la technique finite pour avoir un coup de tonnerre plus rapide. Non. Comment ça? Le coup de tonnerre, tu peux l'accélérer un peu. Alors, mais quoi, l'obtention, l'exécuter. Non, non, pas l'obtention, à le. À la préparation là, ouais. Ouais. Non, la préparation c'est la même durée, mais c'est la vitesse que tu as pendant le coup de tonnerre que tu peux accélérer. Ah ouais? Vas-y, explique. Attends, je vais prendre un peu de hauteur. En fait, pour avoir cette petite hauteur, t'as un cas qui s'appelle collision, je sais quoi là, qui fait que tu vas vers le bas. Ah! Ouais, je vois si alors. Utilises, ouais. Regarde, si tu utilises ce cac là et que tu mets le coup de tonnerre, bah tu pars comme une fusée. Ah ouais, tu pars vraiment méga vite, ok. Je savais pas que tu partais plus vite. Je connaissais ça, je l'ai déjà fait. Je savais pas que tu partais plus vite. C'est. Des fois, c'est pas mal d'utiliser en PVP pour justement avoir un coup de tonnerre où tu te fais pas tuer pendant le vol. Ouais, je l'ai déjà utilisé aussi. J'ai encore l'ulti. Et bah heureusement que les géomags ont été nerfs. Wouah. Pour en témoigner, j'ai eu une époque où je connaissais pas trop le PVP, la méta, tout ça, et du coup je jouais un peu ce que je trouvais. Et ouais, j'ai eu une époque où j'ai bien utilisé les géomags. Ouais, tu m'étais. C'est tellement OP. Bah, j'avais une extension de chaos toutes les manches. Hein. Non, c'était sorti, c'était nimpe. Et en gambit là, ouh! Vraiment à chaque manche. Même ça, il dit pas, t'as plus! En plus, il avait un problème de hitbox aussi qui fait que tu pouvais le faire traverser des murs. C'était... Oh, il y a des péteux! C'était vraiment débile ça. J'ai déjà quasiment reload le coup de tonnerre. Oh, qu'il m'explose au bout! Non, parce que. Ça te pousse juste. Ça te pousse vers le côté. Ah. C'est ça que t'as le passereau d'Osiris toi. Oui. Bâtard. Le vaisseau. La coque. Ouais, t'as tout. Oui. Et que j'ai même pas la dernière coque. J'ai deux premières coques, le premier passereau. Besoin du machin ou non?
Si vous sa... Moi je sais pas faire ce truc donc si vous voulez faire. Enfin... Non mais on demande si on a si t'en as besoin. Moi j'en On ai le fait. besoin. Hein. J'ai pas Bah toutes les voilà. armes en rouge. Du coup j'ai mis un petit hashtag ad dans le chat. C'est C'est ça. T'as quoi? TNF carré lumière. Okay, t'as... vous avez Ah besoin que de ça? Okay. ouais. Oui, juste les trois calls. J'ai déjà été activé deux ou trois trucs, mais alors de là. Je me disais mon titan il est pas si moche que ça, mais c'est normal, je vais mettre le meilleur casque des titans. À savoir, voilà. Le plot. Merci Jicpus. Il nous souhaite bon courage. Ouais. Qu'il reste pas trop loin lui, un jour ce sera son tour. Bon. Oh, du coup, c'est quoi la strat ici? Oh bah, Minute, et comme, minute. comme si tu le faisais à 6, sauf qu'il n'y a pas de demover. Dans ton truc, ok. Donc en gros, T'es Ghoul parti faire Trinity. ténèbres. Ouais. Parti ranger le passera là. Merde, j'avais pas la lame. Ténèbres. Laisse-moi tranquille. Merde. Toi, carré lumière, c'est entre les top 2 et 3. J'aime bien prendre héritage. Oh, je suis vraiment à la rue. Ah oui, de l'imparable par contre. Ouais, Ouais. l'implacable. Ça peut vite être le bordel là. J'ai plein ce qu'il faut, normalement. Après, ouais, le reste c'est du démo bas, je... Je viens de comprendre pourquoi il durait pas si longtemps que ça mon buff stasique au dernier trio crypt. Il y a un puits de puissance, j'ai confondu avec puissance de Rasputin. Ah! C'est Ouais, pas bah oui, pareil. 10 secondes de moins. Ah bah bravo ça! Ah putain, je suis trop malin, c'est ouf. Comment je faisais? Comment j'avais fait moi la dernière fois? Ouais, là, c'était quoi l'histoire? Radiance, non? Ah oui, non, 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 pas wild j'étais dash. en cryo ici. oui, si, Snitz, si tu peux avoir une lame impatiente, ça peut être pas mal pour se déplacer rapidement dans les différentes salles, etc. Il y a l'autre moitié, mais je crois qu'il a pas. L'autre moitié ou le demi-vérité? La main patiente. Ouais, il y a la main patiente sur la tienne. Ah ouais, ça ouais. Ouais, ok. Ouais. Pour se déplacer plus vite dans les salles Ouais et tout. c'est bon, c'est pour C'est ça. juste pour ça. Hein. Je crois que je l'ai. Ah, peut-être pas. Ouais, je l'ai, je l'ai. Ah non, je l'ai pas. Hein. C'était des meufs. C'est bon, il est mort. Je peux conserver le vitesse, je peux faire ça. Pyramide aussi. Quelqu'un pourra faire mon call, s'il vous Ouais, plaît. j'arrive, j'ai regardé. La lumière. Et j'ai mon chevalier. Ah bon? Enfin, en rose.
Ok, j'ai donné, je crois. Ouais, c'est ça. Non. J'ai tué, j'y vais. Ouvrir, s'il vous plaît. Ouais. Ouvert. Merci. Cool. J'ai pas compris. Non. Moi j'ai pas compris, j'ai dit j'y vais. Ah ok ok. Non du coup. Plot. Où ton chevalier Nathan? J'y vais, j'y vais. Faudra... Merde. Ouais ouais. Faudra me call. L'obélisque est attaqué, c'est bon. Noir. Et rose plot. Et plan ascendant. Non. Tac. On a dit l'encendant, rose et flat. Le mec. Et que j'ai eu le temps de voir les symboles, de changer d'arme, de refaire les symboles sans que ça tourne une fois. Putain. Bon après j'ai eu du mal, j'étais déjà bien placé. Ah c'est déjà fait là? Ok. Oui. Il y a encore mon gros là. J'étais en train de démeuble moi tranquillement. Quelqu'un a un call? Pyramide. Je l'ai. Ah. Ok, bah je vais au même endroit que tout à l'heure. Hein. Yes. Hop. Vas-y, quand tu veux. Bon. Et... Ah, pyramide encore. C'est pas chez moi. Je crois que je l'ai, mais. Ah, je suis pas sûr en fait. Attendez, je clean. Il est en haut, je crois, non? Ah, je il clean. Est il est en haut? Ouais, il est en haut. Ouais. Il est mort. C'était quoi le premier symbole? Rush. Ah, t'as écrit. Faudra qu'on fasse un call. Ouais, j'y vais. Tu vas, ok. Et moi c'est pyramide encore là. C'est main, lumière. Putain. Elle est encore au-dessus. Wesh. J'en ai. Ok, le dernier. Dernière porte c'est. Adoration. Je démeuble et j'y vais. Bon alors toi. J'ai du stun deux fois, quel plaisir. Okay, j'ai eu le bruit du stun mais il s'est pas stun. Okay, c'est ça. Ouais, pareil. Faudra aller me faire le call les gars. Oui j'y suis juste. Okay. J'ai pas de temps encore mais... Vas-y. Noir. Gardien. Rush, cœur noir. Et gardien. C'est pas chez moi. Ouais, je sais. Gardien, cœur noir et rush. Ah. Oh, dommage. Gardien. Rush, cœur noir. C'est bon. Je l'ai. Putain, j'ai raté un coup. Enfin, je l'ai pas raté, mais j'étais un peu en retard.
c'est pas chez moi. Je regarde. Ouais, c'est pyramide. Je crois que je l'ai. Ouais. Ça c'est entré. C'est bon, j'ai des maps, j'y vais. Espèce de goutte là. Ouais, c'est l'espèce de goutte là. J'y vais. Ouais, c'est l'entrée, ouais. Ouvrir, s'il vous plaît. Yes. Ça fait. Merci. Et le call. Le boss. Pas nord. C'est nord. Ouais. Prochain, il y a pyramide. Ouais, je sais. Tout ça, c'est terre. J'ai la vénération. Prochain, il y a encore un pyramide. Je. Ouais, j'y vais. Attendez pas, j'ai un peu trop de monde chez moi là. Je suis un peu en retard. Et c'est lumière. Fais chier. Deux fois je tape le mauvais. C'est possible que j'ai le chevalet, mais je peux pas. Rose. Tuer. Ouais, c'est une pyramide. Pyramide qu'il faut tuer. Il est au-dessus, il est au-dessus, je vais aller. Ah, le PD lui. On a un roster du coup pour le moment. Mort. Tu es. Je vais juste tuer ce qui se passe avant. Faudra nous donner le call. Oui, j'ai suivi. Ok. On va refaire vite par contre. Ouais. Blanc, 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 blanc. Bon. C'est quoi? Et c'est vert. C'est vert, terre et rouge. Ouais. Terre, amour, ouais. Terre, amour, rose. J'ai rose là. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. À jouer. Va-t-il de pré-shot ici? Ah, du coup, j'ai plus, on passera là. Putain. Et du coup, c'est. TCL si jamais. Oh l'enfoiré! Petite salle. Il reste carré lumière et c'est après. Le renverser. Le flawless. Voiture. On était assez après, ouais. Ah, j'aime pas mon titan, il est bon. J'avais mis un sand mobi pour déconner en PvP une fois. C'est très très bien marché d'ailleurs. Avec le titan? Ouais, un titan sand mobi en PvP, c'est vachement marrant. Oh, la porte elle est ouverte. Ah, parce que c'était pas matérialisé, d'accord. Imagine, t'arrives trop vite, tu rentres dans la porte, et la porte elle se matérialise juste après. T'es bloqué dedans. Non, tu meurs dedans. J'ai essayé. Ah, tu meurs? Oui. J'ai essayé ce genre de choses. C'est bien, ils ont quand même pensé à ça. Et là, c'est quoi? Un mec qui fait la course? Un qui stun, non? Okay, vas-y. Un qui stun et les deux autres qui font la course. Enfin, qui font les symboles. Holy shit. En fait, le truc, c'est qu'il y a un mec qui va toujours prendre le regard du boss en lui tirant sur la tête. Ouais. Et il va se placer de telle façon à ce que le dos soit visible pour ceux qui sortent des symboles. Ok. Voilà. Je vois, je vois. Et du coup, DPS, 4... enfin, fusion. Linéaire, ouais. Oh, 68. Pas combien l'autre.
Je me demandais si j'avais du stuff du ACD, j'ai que du stuff de la crypte. Ça fait yesh. Ah, 64, 68. Ça s'appelle comment le stuff d'ici? De quoi? Il s'appelle. Le machin sur Resonante. Ouais, Resonante. Je vais me mettre avec ça. Il est où? Celui-là. Gardien à terre. Celui-là. Je mets quoi, moi, en vrai? Vu le taipan serait plus safe, mais coup de tonnerre, chasse tempête me paraît plus drôle. J'ai absolument rien. Je vais jouer ça, il faut que j'aille chercher mon. J'ai cherché deux choses. Faut que je prenne l'arbalète et l'once. Enfin, un lance avec le titan cryo. Les deux, vous êtes tous les deux en arcan ou vous prenez tous les deux la radiance? Non, ouais, c'est ce que je fais. Ouais. Radiance, lunafaction. Bah, lunafaction, je sais pas si. C'est tellement utile, tu dis? Bah, pour cette étape, je sais pas. Hein. Oui. Enfin, si, pour la portée. Ouais, pour la portée, ça peut être bien. Et sinon, tu voudrais prendre quoi? Protocole? Ouais. Je sais pas si le DPS est forcément meilleur avec le protocole qu'avec le kata. Avec le. Oui. Ouais, peut-être le protocole, je sais pas. Je vais pas DPS au pont de toute façon, donc on peut. Enfin, vous pouvez prendre le protocole en vrai. Ouais, j'hésite. Pour faire des puits cryo, moi. Ok, normalement je devrais être pas mal. Hey. Quelle chienne! Ouais, ouais. Et oh! Oh! Les arguments, toujours. Ok. Du coup, qui fait quoi? Ah, comme vous voulez. Mais je sens que je vais faire le boss quand même. En vrai, t'es plus habitué à quel rôle? J'ai déjà fait les deux. Mais, enfin, toutes les dernières fois, j'ai fait la course, quoi, parce que... Ouais, 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 je vais faire le... Je vais m'occuper du boss, du coup. Après, je sais faire le stun aussi, hein. Juste que vous soyez vigilant. Dernière fois là. Ouais. Si tu sais faire le stun, c'est vrai que je suis le titan cryo. Tu vas essayer d'aller au stun? Ah, je peux, ouais. En plus, mais du coup, je joue grenade de heal pour être sûr, parce que tu peux largement te faire submerger par la mob. Ouais. Donc, tu tires sur la tête du boss dès que tu peux. N'hésite pas à le call quand il est. Son dos est ouvert. Mais faudra aussi et surtout que tu fasses attention aux soleils résonants qui ont tendance à viser celui qui stun. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait que je joue avec une arme pour des mobs à distance? Un peu? Avec une arme pour des mobs à distance, oui.
mis un autre exemple. Passe les snipes et tout, ils vont faire mal là. Comment je fais? Ah, je vais prendre... Et après, ouais, c'est moi et Lobas qui tireront dans le sac à dos. Hein. Ouais. En gros, tu ouvres la tête et tu le positionnes dans le sens de la porte. Ouais, je vais... Ouais, ça, j'ai bien compris. Ok, je change juste ça. Salope. Oh, comment c'est intercepté, mon rêve. Ça, vas-y. Je suis sûr que tu me détestes. Bah oui. Okay. Quand vous voulez. Bah, mets-toi en position tout de suite. Et... Attends, deux secondes, juste, j'ai pas ma grenade heal, attendez. Ok, là, je vais l'avoir bientôt, là, c'est bon. Ou attendez deux secondes, si vous pouvez encore. Oui, t'inquiète. Attends. Je vais mettre le truc pour. Merde. Bombe. Mérité en vrai, mérité. Je vais mettre le truc pour avoir une restauration améliorée. Ok, c'est bon. Comme ça, je peux rallonger mes effets. Ah, mais putain! Super quoi, vous voulez wipe parce que changer de fragment ça te fait reset tout ton bordel. Du coup j'ai ni pas. C'est pas grave. Ouais. Allons-y alors. Ah, ouvre-moi. Oui, si tu me le dis pas, je regarde pas moi. Ouais, mais ça s'est fermé. Le dos. Ouais. Ouais. Je vais. J'entends. Vas-y. Le dos, mais il est un peu caché, bien vu. Ouvre-moi. Et tu y vas. Tu seras majoritairement sur ta droite. Ouais. Je suis tombé. Je remonte. Ah ça c'est le risque aussi avec le stun. Pas de boss c'est assez loin non. On va essayer de l'autre côté. Hop hop hop. Et des PS. Merde. La première radiance, du coup. Ouais, je vais mettre la première. Oh, y'a trop de roquettes là, attention. Ah putain! Oh, j'ai raté toutes mes balles. J'ai pas de radiance du coup. Désolé, je fous la roquette devant, mais. Oui mais c'était ça ou la mort hein. Ce sont les roquettes. C'est pas la folie. C'est pas trop mauvais non. Après il a manqué d'une radiance. Moi il était horriblement DPS. Ouais, la première phase c'était pas terrible pour moi non plus. Il a fait que se baisser l'enculé. Et surtout si je dois jouer grenade de prépare-toi son... pour le stun. Ah juste. Ouais. Vas-y tourne-toi. Dos. Putain. Il a pas envie de je se faire pas, ça. Hein. Ouais tu me l'as pas... On est comme il fallait. C'est divisé, Natsu. Dos. Bien joué. Je vais mourir sur toi. Soleil, attention. Dos.
Merde. Il y avait quoi déjà? Je me souviens plus. C'est pas grave. Ah, si, il y avait ça, ça. Et je sais plus. Merde. Tire sur toi, tire sur toi. Ok. Voilà, ça t'inquiète pas, ça marche. T'es scientifique. Le dos. Hop. Je vais peut-être mourir moi. Je vois pas le dernier. Ah si j'ai. Le dos, ouais. Désolé. Bon, tu me laisses sortir. Attendez, attendez. Vas-y, je tourne. Je raise. Je peux pas jouer avec le lumière stellaire si je fais ça. Bon, ça avance. C'est épais. J'ai pas de grenade, ça fait chier. Oh, ça fait chier, j'ai pas la grenade. J'ai même pas le coup de tonnerre ? Non. Ah mais j'aurais avec Gorad aussi. Ah voilà. Contrôle ouais. Le DPS mon ref. Ça va passer à la plaque suivante. Non, c'est... Attention les roquettes. Ça c'était ma grenade. J'ai plus de long. Ouais, j'ai pas beaucoup c'est, de long. C'est la S. Pour être honnête, niveau DPS, on est un peu dans la sauce. Mais, mais franchement, moi j'ai fait de la merde. Hein. Y'a moyen que ça passe, t'inquiète. Genre. Je suis parti un peu comme un bourrin, j'aurais peut-être dû attendre. Le dos. Dès qu'il est, bien tourné là. Bien joué. Bien joué. Putain, j'ai crevé moi. Là, il va avoir le pilier droit devant là. Je sais pas si tu vas réussir à voir le dos. Là. Normalement. Ouais, bien joué. Ascendant. Et le dos. T'es sorti un peu? Ah oui. Ouais. Bah, je te laisse la merde. Voilà. Ça va. Que le bas, ça va pas pris. Super. Pas grave. Le dos. Yes. Je vais. Bon, moi. Peut-être moins que ça passe. Le dos. Le dos. On le ouvre quand tu peux. Ah oh bah c'est déjà ouvert. Yes. Parfait. Vous êtes giga fort les gars. Je t'avoue que j'ai été plutôt attentif sur le call de, du dos et tout. Oula. Non, fallait pas. Ouais, voilà, on m'a pas dit. Ouais, je... oh, la grenade. Oh, la grenade de l'orange qui fout la merde. C'est pas prévu, ça va. Avec une seule radiance, vous avez des failles curatives? Non. Ah, j'ai je n'ai. Ouais, je l'ai. Ouais. Attendez, je change vite fait. Première plaque, faille curative.
Ok. Je mets la radiante sur quoi, la deuxième? La dernière. Go. Ah, la dernière, ok. Non, la deuxième, la deuxième. La dernière, je vais pouvoir coup de tonnerre. Vas-y, go. Les radiance. Une feuille, une feuille. Il reste rien, ce bâtard. Non, 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 oh non, non, non. Oh, oh mon dieu. Non, ça passait. Force oh. De méchanceté qui vient de Carrie. Putain, les gars, j'avais. J'ai fait tout. T'as jamais fait un call aussi, aussi court que celui-là. Oh mec. Oh, putain. J'avais plus de munitions lourdes dès la troisième plaque juste en dessous. Hein. J'avais une balle juste en dessous, troisième plaque. J'ai tout fait grenade fusion et. Moi j'en ai eu 6 piles. J'aurais dû te passer le rose de méchanceté. Ouais, de toute façon je l'avais pas prête. Hein, non et j'ai... En gros, en bas des escaliers, j'ai changé pour protocole des feux stellaires et grenade à fusion. Ah oui. Ouais, ça marche bien aussi. Mais moi, c'est. Je suis passé à l'once de méchanceté, c'est 10 000 par balle, voire 16 000 quand t'as la radiance c'est le debuff. C'est vraiment n'importe quoi ce temps. Ça qui arrive. Ouais. Merde, j'ai pas fait tomber. Oui, j'ai senti un poids là sur mes pieds. Oh merde, oh, merde. Putain, ah bah tiens. On apprendra. J'ai failli me ramasser en même temps en plus. Je peux même pas faire le glitch avec l'épée. J'ai pas de mun. Je sais plus, je crois que c'est lumière ici, non? Oui. Il faut. Non, je reste à l'once, mais je suis titan. Titan plus on a des chances. C'est lumière. C'est bien ce qu'il fallait, je crois. Ah oui. Ouais, TCL. Ouais, laisse mon placement de produit. Un seul qui me drop une mine lourde là. Ah la même. Ah si. Bah moi non. Dégage. Putain, et j'ai pas changé mon arme lourde. Quel client. T'es avec ton bon linéaire faire du puzzle jump là. Ouais. Quelle bonne idée. T'as besoin qu'on change? Ah non. Ouais. T'as besoin qu'on change ou pas? Hein? Non. Ouais, avec les cacs de titan ça passe. Et... Okay. Il y a de l'autre côté. Ouais, ok. La voile est pas stabilisée. Ah, désolé. T'es lent. Désolé les gars. Laisse-moi faire le chemin. Oh, mais t'es lent en Natsu. Excuse-moi, excuse-moi. Toi tu dois avoir des lourds contrairement à moi. Non, je suis au linéaire. Oh, j'ai des lourdes. Let's go. Oh, j'en ai plein. Let's go. Ah, mais passe la porte là. Par-dessus là. Voilà. Oh, le coffre rouge à la fin. Et bon. Ah, laisse-moi des kills. J'aime pas. Non. Garde-moi voler, petite créature sans défense. Ouais, j'ai pas pris le DLC où le perso il s'accroche là. Ah,
mais y'a vraiment plus de meufs. What the fuck. Si, ils arrivent. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Et let's go Natsu. Impeccable. Un mec. Je suis réalisé dans des conditions optimales. N'empêche, quand tu veux faire ton flawless et tu dis bon allez, vas-y, c'est moi qui le fais. Et là tu serres les fesses pour pas te foirer. Pendant le trio flawless, c'est moi qui le faisais avec l'arca et la lame de l'aube. Oh putain. Ah mec, flemme de mourir ici. Hein. Ah oui, il t'avait manqué mon pot de chantier. Hey. Ouais, mais tu veux dire tu vas mourir si tu restes trop frais. Bah oui. Ah bah voilà. La salle la plus chiante. Oh. Bon, je suis comment. Un peu de timing. Natsu. Avance. Ah. C'est quoi la stratégie les gars du coup? C'est comme un trio normal sauf que... Il me connaît par cœur. Comme un trio normal, hein, ok. Non c'est... Alors... quand on va arriver dans les salles où il y a trois reliques, ouais. même dans la prochaine salle, on voit tout démober, classique, utiliser les reliques, etc. Une fois qu'on a fini la deuxième salle, on va poser l'égide. Et du coup, le type qui a le buff de les... enfin, qui pose l'égide, il a un debuff de 30 secondes à peu près. Okay. Où il peut plus reprendre de reliques. Ouais. Normalement, si on s'est bien débrouillé, celui qui a le laser, lui, il a genre plus de 30 secondes pour le poser. Et réinitialiser le compteur à 1014. Ok. Donc, le laser, on le pose pas tant que la personne, tant que les autres personnes qui ont posé des reliques ne sont pas à... environ 0 seconde de leur debuff. Ok, ouais, donc on attend au maximum. Ouais, okay. Ça c'est la temporisation, parce qu'on fera ça à toutes les salles, enfin entre toutes les salles. La subtilité, c'est pour les salles 3 et 4, donc les deux dernières. À l'entrée de la salle, la personne qui a le laser ne va pas le prendre. On va attendre que la porte se débrouille d'elle-même à 1 minute 5 de compte à rebours. La personne qui a la boule corrompue va aller seule démober du côté où il y a les boules corrompues qui pop. Pendant que les deux autres, donc celui qui a l'égide et celui qui a pas d'arme, enfin qui a pas de relique, pardon, il démob l'autre côté. Une fois que ce premier démobage est fait, celui qui a pas de relique fait le call sans relique et celui qui a une relique bah, fait le call avec, logique. Et du coup, celui qui sans relique, il repart dans le sas, il récupère le laser et il revient tuer le chevalier. Une fois que c'est fait, du coup, on passe à la deuxième phase de la salle. Où là, du coup, on va se regrouper tous les trois et démober progressivement le fond de la salle. Enfin, des salles, parce qu'on fera pareil en salle 3 et 4. Ouais. Et une fois que les boules corrompues sont pétées, celui qui porte l'œil de Raven la lâche. Et c'est lui qui va faire le call sans relique. Si on se débrouille bien, lui, entre le moment où il va lâcher... Et le moment où la porte va s'ouvrir, il pourra reprendre l'œil et le reposer. Ok. Mais comment tu fais pour le lâcher? Tu meurs? Non, tu changes d'arme. Ah, ok, d'accord. Tu peux le lâcher comme ça, le... Je ne savais pas. Le relique. Ce que je te conseille, c'est de faire l'égide. C'est le moins compliqué, entre guillemets. Donc c'est celui qui purifie avec le bouclier du cabot. Ouais. Et comme je dis, enfin je te dirais où aller en début ouais. de salle et après en fond de salle, du coup tu feras des purifs régulières et ça marche. Avec ça. Et dis surtout pas de laquelle utile la relique qui est
un tir assez utile en vrai. Attends, mais du coup, j'aurai tout le temps la relique là. T'auras ouais. tout le temps l'égide à partir de la prochaine salle. C'est ça. Ok, alors attends, parce que j'ai changé de stuff pour être en abyssal, mais du coup, je vais rechanger pour me déplacer rapidement. Hop. Ouais, moi c'est bon. Je vais pas rester en lui rampant. Si en vrai, ce serait le plus safe de rester en lui rampant. Surtout dans la dernière salle. Ouais. Ouais, mais le problème que j'ai, c'est que j'aime trop le coup de tonnerre. Ouais, mais tu peux jouer coup de tonnerre et lui en rampant. Oui, mais j'aime bien one shot aussi. Ah ouais, bon. Que je vais garder ce magnifique cuirasse d'étoiles filantes. Ton casque il est tellement ah bah c'est dégueulasse. Le pire casque du temps. Ah mais j'ai un titan dégueu, c'est normal, hein, c'est fait exprès. J'ai cherché les pires ornements légendaires possibles. Oh mon dieu. T'as une putain de parabole sur la tête. En vrai le fanion ça va, mais les bras c'est une catastrophe, les jambes aussi. Ça peut aller en vrai. Bon, l'ornement d'exotique il claque sa mère par contre. Vraiment, c'est. Ouais. En blanc il donne quoi? Enfin, en blanc et doré. En blanc et doré il donne quoi? Le torse. Bonne question ça. Ça, c'est que c'est la couleur du Red Léviathan tard à l'époque. Ouais, je sais. Cet ornement. Il date, Pepper. Il date. 2017. Ça va. Ok, ça va. C'est pas ignoble. Il y a un petit quelque chose là quand même. Ouais, mais on coup, dirait. Il est moins moche. On dirait un membre du KKK. Yes. Let's go. Ouais, je te donne le Discord après. Là, c'est un peu compliqué. frag, voyage. Frag, flotte et tour. Titan, nice. Ouais, pour faire les grands maîtres, il faut être 1595 de lumière, donc. Minimum. Mm. Et elles sont vraiment compliquées, les grands maîtres. Et si t'as déjà réussi les maîtrises, c'est beau. Aïe. Tu joues PC ou console? Mais tu connais une noire pleurer. Non, je tue. Non, tour, pardon. Tour. On va au fond. Attends le boss, je vais te dire des purifiants. Pas purifiants. Pélif. Bébé malade. Aïe. PC n'est encore mieux. Faut à droite pour lire. Une radiance si vous voulez. Ouais, ouais. Vert Witch Queen Corner. Voilà. Cœur noir, cœur noir. Donc tour et cœur noir. Ouais. C'est mieux parce que sur le Discord il y a quand même beaucoup plus de gens PC. Je pense que je suis la troisième personne, du coup ça marche plus. Ouais, prends ton épée, normalement ça marche plus. J'ai pas d'épée, je suis au gala. Ah, c'est vrai. Ah bah dommage pour toi du coup. Je t'ai dit, j'ai un casque. Ah, c'est ça le Discord. Ouais, bien sûr. J'ai pas de casque, j'ai un seul haut-parleur sur mon PC. Moi c'est bon. T'as un casque. Pas de soucis. À vous tous. Je te connais. Après, genre, je pourrais aussi t'aider, mais pas ce soir quoi. Ouais, y'a rien qui se passe. Ouais, ils sont trop loin. Des fois ils sont.
Mais t'as quand même un peu de vie. Ouais. On va à droite. On va à droite du coup sur... Ouais. Ouais. Pour te coller sur la gauche, Nato. Ouais, j'irai sur la gauche. Exactement. Tu sais que c'est la première fois que je viens à droite. Ah. Je vais toujours à gauche là. Tu le vois le cabal, tu le vois? Boum. Infâme, plan ascendant et lumière. Plan ascendant. Oh putain, j'ai bloqué le mob. Descends. T'es pas obligé de venir. Hein. Ok. J'étais purifié là. Ah mais là t'as descendu un peu bas mon ref. Bah et que tu continues à démober en haut. Ah. Ouais. My bad. Voilà. En vrai on a gagné du temps avec le conteneur. Oh putain j'ai failli mourir avec cette merde. T'as une boule corrompue. Ouais j'y vais direct. Merci, merci j'ai pour fait la purée. Boulain, normalement. Normalement on est pas mal en temps. Ok, gauche est mort. Adoration, terre et flotte. Adoration, terre, c'est terre. Donc c'était... Terre et flotte. Voilà. Et là je pose où le... Je pose où tu poses où. T'inquiète pas, tu comprends, mais toi aussi ce soir ça va être compliqué, tu finis ta à 4h du mat demain. Ah ouais, ouais, c'est compliqué du coup. Et là j'ai 29 ans. 29. Moi bon, tu poses à... Je pose à 5. À 5, ouais. Là, là ce soir, les symboles j'arrive pas à les retenir, hein. C'est comme m'assertif. Pareil. Putain de merde. Ouais, à chaque fois que c'est les mecs avec les bras écartés dans tous les sens, là, je dois regarder les symboles à côté. J'ai peur. On va à droite. Moi, je vais à droite. Ouais. J'ai failli tomber. Ah! Bad. Cerveau, terre et. Vaisseau, enfin flotte. À ceux-là. Terre. Ouais, vous allez au mid. Ah, oh, je prends Chéro. Je vais mourir. Va vers Natsu. Oh mon dieu. On démove depuis la plateforme. Elle respawn pas la boulette. C'est si elle respawn, hein. Bien fait de pas la lâcher. Allez hop, je retire. Hop, je vous mets une radiance. Merci. Normalement à droite c'est bon. Oh ouais, Witch Queen noir blanc. Donc c'est et terre gauche. Et. C'était terre, on est d'accord. Oui, oui. Et là j'ai blanc, carré et pyramide, c'est blanc. Blanc hein. Donc c'était terre blanc. Ouais. Ah voilà, bon, tu as fait. Putain, GG les gars. T'as 30 ans, 39 toi. Ça va hein. Tranquille, tranquille. Presque comme moi, ouais. Donc en gros, moi je devais aller... Enfin, tu sais... Quand, où est-ce qu'ils vont spawn les infâmes ou les autres? Et en fait, quand la boule corrompue au tout début de la salle spawn à droite. Ok. La... Le bass? Bass? T'entends plus. Ah. Quand la boule qui spawn à droite, tout du. Bah, Discord qui fait refresh, hein. Donc tu disais, ouais, donc tu disais. Si la boule corrompue au tout début de la droite, c'est-à-dire que la suivante est à gauche et inversement. Ok.
Et du coup, l'infâme il spawn là où il y a la deuxième boucan. Ok, ok. Et là, dans le 2, il n'y a pas Cropta, mais je pense qu'il va y être aussi. Kavo, ils viennent de... Enfin, ils l'ont mis il n'y a pas longtemps. Oui, tout mon ami, ça faisait longtemps. Mais il est pas mort celui en bas? Ah, peut-être pas. Vache. Là, de le tuer, c'est bon. Heureusement, il me restait une balle de roquette. Quelqu'un qui va le faire en voyage rapide. Je vais essayer. Avec mes nouvelles touches là, on va voir. Nouvelles touches? Je vais essayer de wall dash. Oh, pas de si loin. Moi j'ai pas de balle. Attends, j'arrive net. Je peux me ref. Wouh, let's go. Vas-y, mets-toi, ouais, mets-toi devant là. Prépare-toi à sauter. Saute. Eh, ça a marché. Vas-y, viens. Ah, moi, ça a pas marché par contre. Non, Lomas, viens, 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 viens. Ce puzzle jump. Strat flawless, let's go. Strat flawless, ah ouais. Tu veux une autre strat flawless? Ah merde, j'ai pas fait. Putain, t'as de la chance. C'était de mettre dans le truc. La bannière dans le vide, ça c'est ma passion, ça. Ça, si jamais tu veux apprendre ça, Mr. Joe, Mr. Joe, c'est tu cherches skate. C'est là où on rigole un peu moins. Donc ouais. Tu cherches skate radiance par exemple, ou tu peux faire avec tous les persos, mais c'est le plus dur avec le titan. Mais skate radiance ou skate shatter dive en. C'est vrai qu'il faut un Divi. Pour l'arca, non pour le chasseur. Mais non, t'as jamais fait le. Non, j'ai pas le Divi. Bon, on se retrouve au Divi alors. Tout. C'est obligatoire. Que t'as les V, on a tout. Pas sur moi. T'aimes bien retenter le caveau pour la grande faucheuse. T'aimes bien cette arme, mais si c'est plus comme. Si c'est comme les armes de Calus, c'est pas la peine, ne valent plus rien. Je trouve que c'est dommage. Non, c'est plus comme les armes de Calus. T'as des randoms. Tu peux avoir des packs randoms dessus. C'est ce que je prends, mais. Et Je vais me mettre avec le stuff du DC. Oui. Ok. Bizarre goût d'idée. Genre là, regarde. Ça. Et ça. Ça, c'est grande faucheuse expert. Donc, c'est avec le raid maîtrise. Et tu peux voir que j'ai des rôles différents dessus. Alors, celle-là, j'ai pièce maîtrise, stabilité, les cadans différents, ça différent. Et puis là, j'ai les perks charge explosive ou luciole qui sont toujours là. Et les deux perks dessus, ce sera toujours des perks différentes. Et du coup, de l'autre, j'avais. Enfin, ça, j'ai osmose et. Le truc, et là j'ai munitions rembobinées, premier tir, tu vois. Donc, c'est plus comme au début, ce qui est trois fois mieux. Stats de merde. Putain. Ah, ils ont des stats de base mieux que les autres. Ouais, je vais claquer de l'éclat, non, bougez pas. Par contre, elles sont stasiques, ouais, ça va pire, c'est pas grave. Ok. Hop, et là, je mets ça. L'affûtage, la puissance. Ouais, mais du coup, si je fais ça, ça fait 10. Ouais, ça fait 10. Et du coup... Ouais, elle est vraiment. Ouais, elle est vraiment cool, mais.
Le revolver en lui-même est vraiment cool, mais il a pris un peu d'ombre dernièrement. Enfin, il y a trop d'autres armes qui sont meilleures pour le PVE. Donc. Pour clean les mobs, tu vois. Après, moi, j'aime bien quand même jouer avec, mais genre l'outil polyvalent de Kalus, il est clairement meilleur. Après, je pense que c'est une méta qui va revenir et y aller, tu vois. Donc, Sneak, tu vas te mettre en Radiance avec une 9 action. Ouais, ok, j'y suis, donc c'est parfait. Ouais, c'est Vortex. Hein. Après, c'est quand même cool. Moi, j'aime bien jouer au revolver de temps en temps. Et ce qui est cool, c'est que chaque saison, tu vas avoir des objets, des modes d'artefacts qui sont différents. Tu vois les modes ici pour les champions. Chaque saison, ça va changer. Donc la saison prochaine, il y aura sûrement le revolver dans une de ces, dans un de ces trucs là. Donc ça, c'est cool. Après, un truc de cool, maintenant, que je trouve avec les raids dans le jeu, c'est qu'il y en a beaucoup, tu vois. Genre, il y en a vraiment, il y en a genre 4 ou 5 ou 6, je sais pas combien. Et en gros, vu que la chute du roi, elle vient de sortir, là, toute la semaine, toutes les semaines, tu peux faire les chutes du roi pour avoir des équipements puissants, etc. Puis après, chaque semaine, il y aura un tournus entre tous les autres raids. Et genre cette semaine c'est Les trois affûtages. Cette semaine c'est le jardin du salut. Et en gros qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je le finis le raid, j'ai un équipement prestige, mais je peux faire le raid combien de fois je veux dans la semaine pour farmer le loot qu'il y a dedans. Ouais, cataclysme, arbalète, radiance, lune affection. Voilà, pour la saison prochaine, ce serait bien d'en avoir un. Récupérateur, les machins. T'as mis dilatation, mais t'as combien de puissance? 4, 3. 3, ok. T'as double détecteur? Ouais. Pas très utile. Tu peux en enlever un et mettre plus 10 de résistance sur ton casque, comme ça tu passes à 100. Ok. Tuff, c'est good. Tout est les éons. T'as 4 affûtages, Natsu. Oui. Regardez tes affûtages. J'en ai 3 dans ça. Donc, Ok. Et du coup, ce qui va se passer ici, Snit, tout le début de la phase finale, on va le faire normalement. Si ce n'est que du coup, on va pas poser les buffs deux par deux, tu sais, pour faire que le bouclier, on va les faire un par un. Logique, vu qu'on est que 3. Ok. Donc, il y a une personne qui va poser tout le temps le buff. Ouais. Tout le temps. Et deux autres qui vont faire le call alternativement. Ouais. Ça on va se désigner qui fera ça. Durant le DPS du coup faudra essayer de proquer vos puits. C'est vrai qu'on a 3 puits différents à faire proquer. Mm-hmm. Ouais mais. J'ai pas les trucs de puits sur moi. Hein. Ok, moi je mettrai une grue cryo pour me faire un puits cryo. Il reste combien de temps les puits là? Il reste 10 secondes au sol je crois. Un puits cryo ou attends c'est... avec mes armes. Peut-être même le pratique d'ailleurs. Ouais, avec le cac. Non attends, avec le cac ça va être plus simple. On verra si j'arrive à le proc. Hein, ouais. Il y a toujours du monde prêt à expliquer. Il faut que je le proc. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont chercher à faire le raid actuel, donc c'est-à-dire chute du roi. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher à faire le raid de la semaine. Tous les autres c'est un peu... Et à la fin de la deuxième phase, on devrait arriver au dernier, on devrait arriver au cas à peu près de Rulk sur la barre de vie. Ouais. Ce qui fait qu'il restera pas grand chose d'EPS avant ce Final Stand, et c'est le Final Stand qui va nous poser problème. Donc, avant d'aller à ce DPS, enfin sur toute la phase, une fois qu'on a fini le deuxième DPS, et donc avant que la troisième phase commence, on va switcher de stuff pour passer au Burst.
C'est-à-dire que Natsu et moi, on a des équipements qui du SDD qui ont un mode qui s'appelle affûtage ombral, qui font que dès qu'on a de la ténèbre omniprésente qui se cumule, nos dégâts d'armes augmentent. Ok. D'armes et de capacité, je crois d'ailleurs. Et toi, du coup, je pense pas que t'es ça, mais par contre, toi, ce qu'il faudra que tu fasses absolument, c'est que dans cette troisième phase, tu passes en Nova cataclysmique. Ok. Et du coup, les deux Nova et le coup de tonnerre, on les claquera au moment où il passera au Final Stand, pour le baisser okay. le plus rapidement possible. Donc, Nova et pas protocole d'effet stellaire. Non, non. Bah, tu pourras passer en prise parallèle, un truc comme ça, au début de la troisième phase. Le principal étant que tu es à Nova pour le Final Stand. Ok. Ça, c'est vraiment le plus important. Après, le reste, c'est pas... De mobage et tout, c'est assez anecdotique. Donc, Merde, j'ai changé d'ulti, putain. C'est pas grave. Les phases vont forcément être longues, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui pose les buffs. Ouais, ok. Ok, du coup, qui fait quoi? Bah, comme tu veux. T'as l'habitude de poser les buffs, ce sera peut-être mieux que tu les fasses. Ah, j'ai l'habitude de tout faire, c'est ça. Je connais à peu près tout ici, ça. C'est bon, je reviens. Tu connais à peu près tout? Ah, c'est ça que t'as dit, Snit? Moi, je connais à peu près tout ici, hein, ça va. Donc, ce que vous jugez être le plus apte. Ouais, bah tu vas quand même poser les buffs. Hein. Ouais, ça marche, ça va. Faudra juste me laisser l'ogre. Oui, vu que Natsu a les Zéons, tous les gros infâmes qui se spawnent au mid, on les laisse à Natsu. Ok. Ça permettra de faire des lourdes. Natsu? Ça va? Ça va. Allez. Retour. Là, en gros, c'est un raid. Enfin, là, ça va être compliqué, normalement. Elle a vraiment une arrivée de super-héros, c'est incroyable. Alors, il pose son bouclier déjà. Ouais. Les bulles de titan peuvent s'aligner. Hein. Bon, les frérots. Vas-y, je prends un peu. Vas-y. Vu que tu poses les buffs, Sneak, tu tireras toujours sur le petit pilier de gauche. Sud gauche, ok. Ouais. Et bon, naturellement, moi, je suis à droite. J'ai déjà des lourdes qui drop, le laisse. Ah oui, avant la phase des DPS, c'est le moment où faut poser à. Ok. Faut faire les 4 points faibles. Faut faire à droite, là. Ok, il est mort. Okay, vas-y, switch. Tac. Flotte. Flotte, t'es moi, lumière. Vas-y, switch à gauche. C'était moi. Oh, il l'a eu. Il passe dans les rayons, c'était moi et tu vas à G1. G1, ok. Et tu tires à gauche. J'ai déjà 3 paquets de lourdes au sol. Moi j'en ai un, donc c'est bien. Témoin, G1. Vite! Ok, c'est bon. G1 du coup, excuse. G1. Ok. Tu auras pas le gros milieu là. Prends à gauche. Ah, j'étais trop en retard. Faut que je reste au milieu. Okay. Genre un paquet de l'autre qui est tombé? Ah non, il est là. J'ai peur, mais c'est pas trop. C'est bien des deux. Hein. Attention, mid. Ah! Merci. D2. Et prends tout de suite hein, dès que tu peux. C'est fait. Merci. Attention au mid. Prochain D1. Là, je recharge, je prends.
Là, vous vous allez poser tous les deux. Ok. Yes. Droite. Bah, D3, G3. C'est parfait. Ça marche. Je pose. Tu vas G3, ok. Ouais, oh, j'ai G3. L'ogre après. Ouais, on va le faire. Oh putain, on fait casser la gueule par les autres trucs là. Oh, ouh. J'ai pris tellement cher d'un coup. Un nombre de lourdes, mon gars, c'est une. Moi j'ai 4 ou 5. J'ai un. Je crois que j'ai 2 gros paquets et 4 ou 5 petits paquets. Ah oui, d'accord. Donc je suis bien. Ça, mais normalement, les lourdes, c'est pas le problème. C'est vraiment le final, c'est le problème. Tu me laisses le dev à chaque fois. Ok. Lumière. C'est lumière. D1. Miel. Attends, le miel c'est. D1. Stun. Après. Pyramide. Pyramide c'est G2. Okay. C'est vraiment lumière qui fait des deux points. Et là c'est pyramide à nouveau. Pyramide. Ta la ta ta la ta ta. Ta la ta ta la ta ta. Et c'est lumière. Allez. Ah putain, j'étais dedans. Et laissez-moi des esclaves. Ah oh bah y'en a plus. Ouais, y'en a plus. Hein. Ouais, mais ça va respawn, ça va respawn. Mettez-les. Ah, 10 secondes. J'ai encore confondu un mode ou quoi? Lui a mis très très cher. C'est bien là, hein? Ouais, 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 c'est très bien ça. Ok, good. Bah, parfait, je crois qu'on a déjà fait plus, mais. Mais c'est vraiment bon. Ensuite. J'aurais dû mettre ma flaque abyssale. Hein. Avec la petite bébête, je crois que ça aurait pu. Baisser sa vie. Je le dis honnêtement, c'est insignifiant. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Merde. J'avais plus ma grenade abyssale aussi, c'est dommage. Ah, la grenade qui debuff ? Ouais. Ça aurait été sympa de l'avoir. Il y a des munitions qui viennent de tomber, je viens de les voir devant moi. Oui, moi dans le vide ? Ouais. Ah, c'est vraiment drôle par contre. Allez, ça. Ok, bah on peut switch. À droite. Communier et frag. Ouais, c'est ce que j'allais dire. À gauche ? Ouais. Ouais, c'est fait. Ok. Géant. Attention à gauche. Même flaque. Qui s'est fait la boule? Waouh, waouh. Ah, géant. Ouais. Et ça. Attention au milieu. C'est où? D1. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais.
Tu connais un pote. Attention à gauche. Là, tu peux aller à D3. Il n'y aura pas de tir à gauche. Ce sera G1. Attention. G1, G2. Attention à droite. G1, G2, je rappelle. Là, je vais à G1. Vas-y. Je crois que le mieux qu'on avait fait c'était le T de témoin. On en a vraiment pas très loin. Ouais, moi il était pas totalement optimal en DPS avant. J'ai oublié d'envoyer la grenade aussi. Ouais, elle aurait pu être mieux. Je vais prendre ma grenade abyssale. Messieurs lumière. Fort. Ouais. Ah, des mines lourdes. Nice. Et c'est pyramide. 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 Là, contre pyramide et lumière, ça change pas trop. C'est pyramide à nouveau. Bizarre. Hein. Voyageur et ténèbres, ça existe. Et puis j'ai encore un parasite. Tire. Ratard. Pyramide again. Récent, c'est cool. Pourquoi j'ai que 10 secondes? J'ai encore trop peu de notes. Oh merde. Ah non, je me suis pas trompé. Bah, je sais pas pourquoi j'ai. Oh là, je suis pas du tout là où vous êtes. Genre ténèbres omniprésentes x7 gros. Ouais, fais gaffe à ça. Ah non. Bon, regardez tes navires, on y présente pas force. Je suis à x8. Bah voilà, le cas de Rulk, on en parlait. Voilà. On y est. Donc là, je change Nova direct. Ouais, là, tu mets Nova cataclysmique. Que je suis full, lourde, c'est trop bien. Pareil. Mais encore une fois, c'est pas ça qui va poser problème. Ok. Je passe aussi cataclysmique. Hein. Hop. Dans quoi? Dans Vortex là. Ah. Oui, la dernière fois tu m'avais dit qu'il fallait pas mettre cataclysmique pour les débuts, pour éviter de te gêner. Ah oui, pour le quand début, tu tires. Hein. Tire. Tire. Hop là. En plus, tu changes ton ulti, il y a tous tes buffs qui retournent à zéro, c'est casse-couille ça. Mmh. Ouais, mais c'est logique. C'est quand même un des cœurs de ta doctrine, l'ulti. Ouais. Là, celui de gauche. Et dead. Communier. Par contre, c'est les fragments. Communier, cerveau et carré. À droite, ouais, à gauche, je sais pas. À gauche, il faut prendre. Cerveau. Faut prendre à gauche. Ouais, j'ai pris. G3. G2. Putain, j'ai cru que j'allais tomber. Encore une fois, quand on se bat. Y'a pas besoin de lourdes là. Non. Non, c'est bon.
quand on sera en DPS, tu ne claques pas ton DPS avant que le final stand soit enclenché. Mon ouais. Ulti, tu veux dire. Ton ulti, ouais. Oui, 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 ton ulti. Vas-y, prends. Tu fais 2-3 balles dès que tu vois qu'il est plus immune. Impression, je dirais, j'aurais la divi dessus. Ouais. C'est où? C'était quoi? Ah, c'était cerveau. Cerveau, pardon. Cerveau. Les deux du fond. J'aurais ma grotune à dessous, tu le tireras aussi avant de divi. Ok. Switch? Ouais. Je dois recharger. Je pourrais pas l'avoir mais. Géant. Je dois attendre le prochain laser. Ouais. C'est où du coup les deux du pont? J'ai un. Ok. Je le prends direct. Yes. Attention à gauche. Et le call. Et c'est des deux. Je te donne mec. À gauche. Ouais. Il est à gauche. G1 D2. Ouais. Ok. G1 D2. Ouais, vas-y. C'est bon. Vas-y. Allez les gars, on donne tout ce qu'on a. Je crois que j'ai des mines lourdes en haut, moi. Un gros pack, sauf faire. Meurs, toi. Let's go, okay. Et on attend un call pour qu'on claque tous nos ultis, ou bien? Oui, t'inquiète. Ok. Lumière. Étonnant ça. Toujours lumière au début. Ah la lumière est pyramide. Voyageur. Ah changement. Ça change. Ténèbres. Mais bon, ouais. Oh, du changement! Du coup, c'est wipe, hein, c'est du changement. Ouais. Mais non! Ah! Et pyramide. Pyramide. Et un check. Bah putain. Ah non, c'est un de bon ça. Oh, j'ai pas mon pack de mine lourde, mais j'ai un petit pack là qui est là. Ça c'est bon. Alors, encore une fois, ça va pas être le problème, les réserves de mine. Ça va être le burst. Quel? Parce qu'il est. What? Mais j'ai en l'air. Il redescend frérot. Et il m'a quand même mis ténèbres omniprésentes x3 hein. Mais moi aussi. Oh putain trop fort. Prépare. Okay. Ulti Bob. On le déboîte. Je recharge pardon. Ah je suis dedans, adieu. Ouais, vas-y. Allez les gars. Boum, first try.
J'avoue que le coup de tonnerre à 424 000, c'est toujours un plaisir. Let's go! Ah bah là, ouais. C'est un peu plus pratique que 3 arcas. Là, on était large en vrai, en termes de DPS. On a eu tellement de munitions, c'était ouf. J'ai eu l'obligation collective. Let's go! Ouais. Tu l'as pas eu, genre, la dernière fois qu'on a fait le trio? Non, non, j'ai pas eu la dernière fois qu'on a fait le trio. Mais je sais pas ce qu'il a foutu, Rulk, à se trouver tout en haut là-haut là. Mec, laisse tomber, j'ai pas compris non plus. Je pense savoir pourquoi en fait, au moment où il a dashé, j'étais à ce niveau là de lui. Et je crois que ça a fait tremplin, genre. Mec. Et genre vraiment, je le vois me foncer dessus et disparaître de mon écran. Attendez, je prends juste une arme rouge. Attends, Gozi, c'est mort. On a testé quelques games d'Ozzy tout à l'heure avec Natsu et Zugi et non, c'est juste pas jouable. Non. Merci, Mr. Joe. Ouais, ça doit être clair, on était trop fort, il a pris la fuite, ouais. Ok, quand vous voulez. En vrai, un petit trio. Oh, du coup, si ça finit sur YouTube, merci d'avoir regardé, les gars. Même si n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit sub. Et on se voit la prochaine fois. Bye!